premier but, explosé au moment du second, c'était un pénalty, et explosé de joie également au moment du troisième but qui marquait la victoire finale de l'AS Saint-Etienne face à l'équipe polonaise de Lod. Ce soir, c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Et Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir, la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir, la foule n'en peut plus de chanter. Et Johnny Rep évite les croche-pieds. Ce soir, c'est sûr, on va voir trembler les filets. Et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue à la maison. Et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir, la pluie trempe les blousons. Mais Johnny Rep a marqué, c'est bon. Saint-Etienne qui mène déjà 2-0, deux buts de Johnny Rep. Johnny Rep réussit d'ailleurs l'un des premiers doublés. Johnny Rep qui récupère le ballon en position d'arrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif. Il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait à Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion. Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Farizon. Gérard Farizon à destination de Jacques Santini. Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep. Johnny Rep seul devant le gardien au point de pénalty.